Okay. Là, on est parti sur quelle map? Là, c'est Bind. Bind, exactement. C'est la plus petite map du jeu. Ah, mais connais, ça, tu la connais. Ouais, c'est, la map de, c'est la map de base, c'est là où tu fais toutes tes clutches. Ça, tu connais. Ça. C'est celle où tu peux aller mid, là. Ça, c'est chez toi. Ça. Celle où tu peux aller mid, comme sur toutes les maps. Toutes les maps, tu peux aller mid, après, c'est vrai. Non, le seul truc qu'on peut voir, c'est qu'il joue avec Gecko, qui est un champion un peu unique slash original. Et nous, on faut voir comment on réagit à ça. On a même peut-être sur le safer. Oh, MG, ok, un pour un déjà. Triche. Je crois que eux d'ailleurs, ils ont aucun français dans la line-up. Si, Narcus. Ou ils en ont que un et Mikey c'est deux. Parce que c'est ça des. Narcus, t'étonnes pas, on gagne jamais de Gunrun, c'est normal. Ouais, c'est la strat. Putain, de l'autre côté, ça y est. Si on gagne, c'est automatiquement win. Si on le perd, c'est normal, c'est pas oui, grave. Oui, c'est normal. Et aussi, c'est si on perd en défense, c'est que la map est attaque. Et inversement. Ouais, ça, c'est la classique. C'est ça. T'appelles comment le petit truc là où elle vient de passer la raise? Elle vient de passer la raise. L'angle c'est l'angle où elle passe pour aller au fond du site. Okay. Elle passe sur la même gauche après, derrière la TP. Ah, c'était bon, compliqué. C'est le, les Gunrood, c'est pas pour nous de toute façon. Excuse-moi, genre. Est-ce que genre parce qu'on est nul ou parce qu'on est nul? Le jazz là, il vous a mis un truc. C'est 55. Mais en vrai, c'est un peu. Enfin, c'est random, mais si on les perd tous, c'est pas random quoi. C'est ça. Non, c'est random. Justement, parce qu'on les perd tous, c'est random. En faire 6 ouais, non, là où il est là. Ouais, c'est lampe. Ouais. C'est lampe, ouais. Lampe ouais. On appelle ça comme ça. Parce que t'as des lampes dans le bâtiment juste avant. Voilà. Bah, c'est juste que nous, on a besoin de stuff pour s'exprimer en fait, Narcus. Okay. Ouais, nous, on est une line-up très intelligente, donc le stuff avant tout. Ouais. On a de l'aim aussi, tu vois, mais on est quand même très intelligent. On joue vraiment okay. La stratégie. Voilà. Et les GR, c'est un peu. Dire ça pour qu'il y a 5 mecs qui courent vite dans. Oh, ok. Oh, oui. Ok, ça c'est très bien pour nous. On va aller encore, on a l'info. Ça s'appelle de la stratégie, Pouka. C'est vrai. Oh non, oh, ça. On s'est fait avoir. Ça c'était une petite erreur quand même. Ok, donc là ils prennent le site, nous on va devoir retake, blabla. On a pris une arme, hein. On a chopé une Guardian sur King Guyan. Ouais, ça peut jouer. Et ça, en c'est vrai, cool, une Guardian, pour le coup, ça met très bien. Ça one tap tête. Ouais. Allez, tous au spawn. C'est ça. Narcus, il connaît l'endroit du. Je connais quand même. Une retake sans stuff, c'est. Enfin, sans. Sans armes, c'est dur. Il y a ça, mais autant rusher sans armes, c'est ok, autant retake. L'avantage qu'on a, c'est qu'ils ont smoke very early, et tu vois là, on peut déjà avancer sans être dans la merde. Quoi. On est pas bien. Il y a Gecko qui va flash. Ok, ça on est bien. Pour un, ça nous fait planter bizarrement. Hein. Ouais, je pense qu'il en plante. Attends, il est obligé de. Ah, c'est parce qu'il y a les line-up. En fait, t'as lui là, t'as Mikey qui est à l'autre bout de la map. Oh, nice. Allez, nice. C'est bien. Attends, il lâche pas. Allez, c'est bien. Allez! Bon, ouais, oh là là! Le petit prodige! Je comprends attends, pas pourquoi ils ont incroyable, planté là. Hein. Je comprends pas pourquoi ils ont planté. Ah, mais je joue contre GL aussi. GL, on a fait tomber 3 armes et on a réussi à prendre le round. No joke. Ouais, c'est un peu lent pour eux là ce qu'ils ont fait. Genre. Ils comprennent un peu le jeu les GL ou. Alors qu'ils s'y connaissent. Ils comprennent le jeu? Non, parce que là, genre, ils sont deux et ils se touchent, genre. Bah. Ouais, c'est surtout planté très bizarre. Ouais. En fait, c'est planté pour les line-up de Mikey, mais il les a mis genre ultra early. Ouais. Du coup, c'est. Bah là, tu vois, il aurait dû balancer non, un. Non, puis au-delà de ça, j'ai l'impression qu'elle est mal posée aussi. À mon avis, il doit pouvoir couvrir de. En fait, ça, c'est normalement. C'est chaleur planté... là-bas, au fond. Ouais. Et là, c'est planté pour hauteur, en ouais, fait. Pour non, le Kevin, mais il y avait personne hauteur. Vu que c'est nous qui avions le. Ils sont. Ouais, c'est bien, dire, hein. Ils sont chez dessus, on peut le dire. Ça, c'est big en vrai. Hein. Ok, line-up de même set dans les douches. On dit voilà. C'est douche qu'on dit ou c'est. Ouais, c'est douche. Là, normalement, on doit gagner là. Du coup, ils ont force buy, j'avais pas vu. Ok. Donc. Ah, c'est pas vraiment. C'est semi-force. Non, ouais, c'est plutôt Kami qui a. Ouais, ça va. Ça va. Qui essaye de snowball. On va dire prendre de snowball. Guy Dex a entendu quelque chose. C'est plus. Allez, solide en défense. Comment ça va jouer nous sur notre défense? Parce que je pense qu'on va laisser beaucoup de place et limite jouer de la retake avec recule, hein. Notre compo. Pas forcément, hein, parce qu'on a quand même une sentinelle que eux n'ont pas. Ouais. Par l'intermédiaire de Cypher. Non, pas forcément. Généralement, sur le B, on aura toujours Brimstone Sky. Ouais, c'est un bon duo de B, ça. Ou attention, ok, là, ça déclenche du côté JL. Ça va aller vite. Ok, c'était flash, c'est Vire, la petite flash. Venir là. C'est 2 pour 2, 3 pour 2. Okay. Pas des masses. Ça n'a pas tenu des masses. Ouais. Ok, ils ont le 6, ça va dans sa joie retake. Là. C'est le 3 retake. On n'a pas les flash. Cette qui cross. Apo a pas son wall en plus, je suppose. Donc là, ça va être deux lames. Hein. Ouais. Ouais. Coup, ils c'est sont tous planqués longs en face. Et ça nous arrange pas du tout. Bah, je sais plus si tu l'as précisé, mais on connaît les picks, c'est leur pick ça. Ouais, ça c'est leur pick. Et nous, on a. Si je peux le dire, on a pris Icebox.
C'est juste qu'on n'a pas vu la draft avant. Nous, on a pris Icebox et en dernier, c'est Lotus. Donc, c'est deux maps qu'on n'a pas encore vu sur ce split. Mais on a le wall. Oh, ouais, mais ça, c'est. Icebox, c'était ban qu'on l'a jamais piqué avant? Non, on l'a piqué avant. Enfin, tu veux dire de ce split? Ouais. C'est. Il y a une update sur Valorant. Ah, okay. Et c'était ban les deux premiers matchs. Ah, le problème, enfin, c'est pas dans la. Ouais. Ouais. Là, on les a. On a gagné le round qu'on était censé perdre. Et inversement pour. Et inversement, ouais. Ouais. Après, ce round-là n'était pas free non plus parce qu'ils avaient quand même. Ouais, ils avaient des armes. Mais c'était pas non plus faramineux. Bah là, c'est éco-sèche, hein. Pas le choix. Mm-hmm. Et. Seul truc que j'ai peur, c'est qu'ils aillent tout le temps sur. Là où ils sont, c'est B, c'est ça? Ouais, B. J'ai peur qu'ils aillent tout le temps sur B, sachant qu'il y a même 7 et sur A avec Cypher et que c'est un petit peu Kanker à attaquer. Ouais, après, tu peux changer, hein. Tu peux mettre un coup ton Cypher en A, ouais, ou en B. On va voir comment on s'adapte à ça, mais. Je me rappelle qu'au début du jeu, ils mettaient tous en B, les Cypher. Ouais, mais là, je sais pas si t'as vu, il y a les line-up qu'il a mis. Il y a des line-up qui passent, t'as ton feed qui passe au travers d'un banc qui touche le mec. Enfin, c'est. Ouais, non, mais je suppose qu'il y a des. Vraiment méta, mais je me rappelle qu'au début, tout le monde se foutait en B. La cam. Ouais, t'as une cam en haut qui voyait en fait cette ligne-là et ça donnait pas mal d'infos. Là, on continue, on est proactif dans nos échos, ce qui est pas mal du tout. On a un bon timing, hein, parce qu'il va pas s'y attendre vu qu'on est pas loin derrière. Surtout là, on le fout dans le temps, on est derrière. Ouais, au moins on a gardé le hookah, hein, ça peut être utile. Un spot. Ok, bon, ça c'est un petit peu le. Ils ont gardé le back. Le plan s'est fait. Bon, là, ça serait une belle tête là. Oui, nice. Nice. Deuxième. Wouh! Oh, il est. Allez. Non, si, okay. C'est bon, okay. Et Aidex c'est pas mort, 3v2. Aidex, ça joue très, ça joue bien. Même 7 est derrière en plus, les deux sont de la longue. Ok, 2v2. Prends juste ça, bon. Non, dommage. 13 HP. Il y en a un qui est low. Roby est très très low. Il y a un zombie. J'ai plus qu'un. On dit ça, non. Ok, même 7. Même 7. Non. Oui. Oui. Il a tué le zombie. Même 7. Non, il a marché dessus. Non, dommage. Ah, il a marché sur le crâne. Par contre, moi j'ai un truc à me plaindre. Ça rend fou qu'il swap. Tu sais, il swap pendant le combat. Désolé, ouais, il y a que moi qui. Non, mais c'est super dur à faire. En fait, il est solo à faire et il doit faire les specs comme ça, plus les POV, etc. Et oui, mais moi je deviens fou. Genre, tu suis un gars rouge. Le gars rouge tue le gars bleu. T'es là en mode ouais. Et après, le gars, tu vois, il tue. Tu dis ouais. Et en fait, non, il a swap. Oui. Du coup, t'es là en mode bah qui non, tu c'est sais vrai pas que qui. Les swaps entre duels bah genre, du même bon, combat. Ce truc-là était. Ouais, bah là, tu vois, pour moi, j'étais là en mode on a. Ah non. Ouais, mais ça arrivera pas non plus. Ouais, mais toi, t'as fait faux espoir et tout. Et ouais. Ça rend fou quoi. Donc j'ai un dunk. Alors comment ça va. Ouais, ça continue de push sur B en tout cas. Bon, là par ça contre, on a de l'écho là. Là, on a de la thune. Ouais. Là, on est en train de tuer. On a apprécié à tuer la raid. Ok, nice. Un bon positionnement. Attends, mais ils ont claqué deux ults là-dedans. Ouais. Ok. Kin. Oh non. Ah, il a pris la TP. Oui. Nice. Oui. Ah, Kin encore. Un kill, mais du coup, il a encore. Dommage, il a pas réussi à dodge la flash. Ah, on a Phronotrune sur ça. Ok, il a pris la TP la deuxième. Après, c'est du 3 contre 3. Ouais, hein. On avait un. En fait, on a grid là sur ce. Regarde, t'as même 7, il est en place sur A. En plus, ça touche pas. Hop. Il va y avoir une. Ok, comment ça va se. Ok, ça, ils partent de ce côté-là, ils sont obligés de détruire un peu. Ça va planter la petite bestiole. Ouais, yeah. Et là, c'est un Pokémon, Anarchus. Ouais, c'est okay. Un Pokémon. C'est un pal. On dit pal ou on dit Pokémon maintenant? Je sais pas, pour Anarchus. On dit pal, ok. Ok, bon, ce qui est bien pour nous, c'est après, qu'ils ont. Pas... Question, ça plante random ou ça plante non, toujours au même moment? En fait, attention, t'as une, ligne, t'as une ligne, il va sur la ligne et quand il arrive, il. A été naïf. Non, le retour de la naïveté. Ok, nice. Okay, pas naïf sur ce trade. On a la lampe, même cette à sa cam. C'est posé ou c'est posé. Alors comment il y a la smoke qui peut poser pour mid. La note. Non, on s'est fait prendre de la peinture avec nice, nice. Est-ce allez. Qu'il a vu le deuxième allez. Est-ce qu'il a vu le deuxième à peau non mais on sait où il est. Il l'a vu. On se doute. Allez même 7. Ça joue entre. Sur la tête. Oh, non la tête ça se voyait. Il a vite s'avancer. Malheureusement. Ouais, il était obligé. En vrai ça c'est une map attaque donc bon c'est y a rien. C'est très c'est quoi après, non, 70 une... attaques je pense. On a vraiment une compo def pour on le coup. Une compo def pour le coup. On a deux sentinelles. Ah. Allez. Ouais, désolé de casser le buzz, mais le Cypher. Bah après, ils ont Cypher aussi... qui est quand même, bien mieux en def que. Après, Gecko est peut-être plus fort en attaque, non? Je sais pas, Gecko c'est un peu un champion bizarre, je dirais. Ouais, c'est un peu... Les initiateurs, par définition, c'est un peu plus fort en attaque quand même. Ouais. Mais. Ça change pas grand chose. Hein. Ouais. C'est pas dire, ils ont un perso attaque, c'est pas un Cypher. Ouais, ils ont un perso un peu plus attaque, on a un perso un peu plus def. Dire, Cypher, ouais, c'est vraiment plus défense. Pour le coup, ah, si en attaque, ouais, c'est quoi? Ça bloque les lurkers. Parce que les fils, ça t'empêche de te faire lurk ou des trucs comme ça. Ok, mais... on continue de jouer agressif. J'aime bien. Il a pas pris la flash magic, dommage.
Mais au moins on a pris full espace. Là ça va être ce duel qui peut être important. Ok, on full back. Après on est en low echo donc on cheese un peu Mikey en soi. Mikey qui bouge aussi. On a fait bouger deux mecs de BA. Hein. Là déjà on peut se dire ça va se décaler sur A. Mikey a plus de shield, il a 64 HP. Ouais mais il va se faire heal par la. Enfin il va monter à 100 quoi. Ouais il va monter à 100. Ah, hop. Mettre full. De toute façon là faut cheese un peu. Le changement de POV m'a fait très peur. Ouais. Ok. Ça se croise dans on a pas vu les duels. Kin. Ok, ça fait 2 points. Non. Ah, ah dommage. Dommage à peau. C'était bien pensé parce que là ça aurait fait du 2 pour 2. Yep. Est-ce qu'on. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ok, c'était Neko. Ça va en soi. Maintenant, va falloir être solide, va falloir faire le max de points parce que, comme on disait, la compo qu'on a, c'est surtout défensif. Ouais. Surtout la map contrôle, mais elle est plutôt défensive. Diz n'est pas un expert. Diz ne sait pas trop. Ah, donc qu'il là dit, on a une compo défensive. Rien au jeu. Et la map est défensive. Ouais. Et on se fait laver. Ok, time out. C'est parfait. Mais après c'est leur pick. On peut come back. Hein. C'est leur pick. Ouais, ils ouais sont un 5, c'est pas encore trop le drame en vrai. C'est... On peut surtout finir avec quelques rounds sur la map. Parce que du coup, là c'est un BO3. Chacun choisit une map. Ouais. Et là, non, 3... c'est, en fait, c'est des bans de map après des picks de map. Donc okay, voilà, ouais, la dernière, pick, c'est celle qu'on joue. Celle qui reste à la fin, ouais. C'est la. La troisième map, c'est quoi? C'est la dernière. C'est la nôtre. Non, c'est en fait. T'as genre 9 maps, t'as 2 bans, 1 pick. Et à la fin, il reste une map que personne n'a ban au pick. C'est le consensus, on va dire, des deux ouais, équipes. C'est ça, quoi. Entre guillemets, vu que c'est la dernière, personne ne l'avait ban avant, c'est que tout le monde peut la jouer, et du coup, c'est la dernière. Quoi. Et j'ai très envie de voir Lotus, perso. Moi, j'aime beaucoup Lotus. Ouais, c'est pas notre map, mais on la gère bien. Ouais, ok. Il y a vraiment des OTP sur des maps genre, Non. Bah, tu peux pas vraiment avec les format BO3, c'est compliqué. Hein. Non, mais chez eux, là, il y a personne qui check. Bah, je crois que c'est un Non, ils sont sur des room TS. Ouais. Tu sais, il y a un test de la ligue et ils sont tous les et joueurs. Il y a un gars, tu vas me faire croire, qui check. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Non, mais anyway. Tu devais écouter la com et tout, que le coach parle pas aux joueurs. T'es dans une gaming house, tu peux parler, tu te mutes. Ouais, oui, bien sûr. Mais après, ils font ce qu'ils peuvent faire. Tu vois. Alors, ouais, après, mais c'est oui, débile comme règle. En fait, du moment où tu peux trop facilement tricher, autant pas faire la règle. Là, je suis un peu d'accord avec Marcus. Ouais. Parce que c'est un peu trop facile. Genre, mais là, pour le coup, je sais pas si cette règle qu'on a parlé là pendant la technical pause, ça se trouve, ils peuvent parler. En ouais, là, c'est peut-être en. Ça fait possible, en fait, j'ai dit ça parce que sur CS en offline, t'as pas le droit de parler en technical pause. Oui, bah, après, oui mais parce que du coup, on a des infos. Ok, petite line-up. Ok, il balance tout le stuff sur B. Et il force quoi B, hein. Ah non, c'est pour reprendre il son. Il le ramène pour le récupérer, en fait. Ok, je pensais qu'il avait fait. Genre, tu sais, je pensais qu'il s'était flash. Il a fait demi-tour, il était en mode. Je me suis trompé. Il peut le récupérer, là, il peut le relancer dans 4 secondes. Et ça, c'est encore très fort. C'est ça, c'était son ulti. Ouais, c'est l'ulti de Gecko, il peut le lancer plusieurs fois. C'est genre l'ulti de Malzahar pour ceux qui jouent à LoL. Ouais, on peut dire ça. Bah, c'est faux. Je suis pas fan de l'utilisation, mais okay, okay. En vrai, c'est pas mal. C'est bah, ça permet de bloquer les crits, les locks, quoi. Ouais, ça aide des zones, mais. C'est un big investissement. Oui, c'est un peu un flip. Voilà. L'ulti Malzahar, on va. Oui, disait Qatar. Ça te lock, hein. Ouais, c'est ça. Tu peux plus bouger. Allez, à pro. Nice. Oh, allez, je le sens bien. Il en faut encore un. Je sens bien. Il y a un deuxième qui arrive. Ah, pas bien, mais... je s'attendais pas. Le deuxième était dur à. Ils ont été obligés d'être 3 dessus, hein, parce qu'il y a pas trop fort. Nice. Kin. Ah. On va tomber derrière. Ah, à chaque fois, il manque un peu. Hein. On peut tomber 3 armes. On n'arrive pas à tenir ce B. Hein. Ouais. Moi, ce que je disais, mon inquiétude, c'est tenir le B. Est-ce qu'on mettrait pas le Cypher? Ah, ça pourrait surprendre en plus, mais. Regardez, comment le replay. Marcus, t'es monté T'Challe en Corée? D'accord. Non, GM. Il okay. Y a des gens dans le chat qui disent Marcus est monté T'Challe en Corée. Ah, en vrai, je pense que tu me laissais 2 semaines de plus, je suis T'Challe. Mais... Parce que t'as dit la dernière fois en Europe, tu t'es quand même arrêté en GM ans. Encore. Bon, Marcus, il était en format Corée, c'était quelque chose. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il tryhardait plus que quand il est en la de rue. En fait, tu ne pouvais pas lui parler déjà. Il voulait pas te parler. Il était co-focus sur League of Legends. Est-ce qu'il chantait J'ai un chinois, t'as pas de chinois pendant les games? Non, mais j'étais en full solo. Allez, allez la game, allez, les amis. Parti. Là, c'est à partir de maintenant, faut come back là. Allez, un round. Ah ouais, mais on est en écho. Bon, le prochain. Non, celui-là, ça peut passer parce qu'on est. En fait, regarde, eux ils sont tous stack. Ouais, on et nous, lancé, on a push. Mais après, là, ils retournent on dans l'autre push sens. Les endroits, tu vois. Donc, donc on a pris beaucoup d'informations. Oh, 4 HP. Ouais, c'est ça, en fait, le truc. Non, il peut pas se heal. Il peut heal que les autres. Ouais. Heureusement. Ils jouent bien groupés et tout. Ils peuvent pas se faire. Ouais, pour le coup, en face, il joue sérieusement, tu vois. Il pourrait se dire, on est face à des échos, on va jouer un petit peu. On peut prendre le kill. Oh, ok, on l'a pris après. J'ai tombé une arme. On a 2v4, il balance son petit. Ah oui, en plus, on a tué le gars à 4 HP. Nice. Ça plante quand même, mais ça c'est pas. On a l'info.
pas si grave. JL. Ouais, 4 Antage, j'ai un sandwich là. Il y a aussi qu'il y avait l'avantage de perspective qui fait que l'autre le voit en avance et lui il est. Ouais. Et Idex a pas pu récupérer l'arme. En gros, non, c'est que, tu me corriges si j'ai tort. Ouais, vas-y. T'as un mur. Ouais. Toi, t'es à 1 mètre du mur. Lui, il a 5 mètres du mur. Et ben, il va te voir en avance par rapport à toi. Ça, c'est bon. Quand il décale. Quand il décale. Et il y a aussi un truc, c'est que je sais pas s'il y a ça sur Valo. Quand tu piques à droite et à gauche, si ça change. Ça, c'est une légende, ça. Ça, c'est une légende. Ah, la caméra, elle est pile poil pas au milieu. Et du coup, parce que c'est sur Tarkov, c'est réel. Donc, je me suis dit, peut-être sur Valo. Genre, aussi, si t'es droitier ou gaucher, ça change. Il y a un truc comme ça qui dit. Non. Non, c'est plus par rapport au fait que le mec tient son arme de la main droite, je crois. C'est plus ça. Bah oui, t'es droitier. Ouais, mais dans le jeu, anyway, ça, tu le vois pas. Oui, ok. Mais voilà. Mais bon, du coup, là, c'est il était, un peu la crise, on est en train de se faire détruire le cul par JL. Voilà. Ouais. Pour l'instant, on va pas se mentir. Est-ce qu'on a bougé notre petit. Non, on l'a pas bougé. Ouais, on reste. On reste sur nos. Ok, on met l'ulti d'Apo dès le début du round, comme ça il va à l'autre endroit. Il s'est fait stun, donc ça faut faire attention parce qu'ils vont push. Ils sautent dessus. Ouais, on comprend le bordel. Ok, un kill. C'est ce qu'on a compris en tout cas. L'avantage aussi, c'est l'ulti d'Apo. Quand les gens restent dedans, ils perdent des HP. Y'a que lui qui n'en perd pas. Alors HP descend et après il remonte, mais. Non, mais y'a un gars en HP là en face. C'est Zali aussi ? Oui, mais si tu ressors, tu peux rejouer les ennemis. En gros, tous les ennemis qui sont dans l'ulti vont descendre à 1 HP. C'est ça. Et après, s'ils sortent, ils récupèrent leur vie. Ok, on a pris l'info sur le mid. Ça bloque bien hein, cet ulti. Robby, je l'aime pas. Voilà. Il est. Ça va flash, ça va rentrer. L'ulti, il reste tout le temps ? Ouais, tant qu'il est dedans, ça le recharge, je crois. Ok. Ok, ça va pas sur A. On va voir si on est plus solide sur A que sur B déjà. On passait par Shower ? Ouais, ils ont l'air d'être partis. C'est plus difficile quand même de go in par choix. Vu qu'on a des one way de salopards comme ça, oui, c'est plus difficile. Et du coup, même celle, s'il y a quelqu'un qui avance, il voit ses pieds et l'autre ne le voit pas. Ok. Ah, y a son... On voit pas le gun là ? Bah, si, on la voit, mais. Okay, ils prennent le plante. Il tombe, ça c'est relou. Même 7, là, il va falloir trouver la tête. C'est très big relou. On a un snipe sur Keen. On a du mal à rentrer dans la map. Hein. Ouais, ouais. Bah non, bah Echo, ouais, va falloir aller save là. Hein. On va tenter. J'aime pas. Après, y a 7 okay. Ans, donc, là, après, ouais, savez les gars. Faut... Ok, nice. Allez, c'est bien. Je pense qu'on a pas le temps, non ? Ouais, c'est ce qui manque. Ça peut passer, on va voir. Faut maintenant. Là, on a plus le temps. Ils ont quoi d'info et leur stuff et tout. En fait, ils sont rentrés sans vraiment beaucoup de stuff. Dommage, allez, vas-y. On l'a tenté, bon. J'aime pas trop le fait de tenter ça. Pareil. On a une nope. Pareil, c'est chaud, ouais, j'aurais bien aimé garder l'opérateur, moi. Je comprends, j'ai pas au trop... moins, on va dire. Oh, c'est chaud là. Ouais. Là, c'est très dur, Narcus. Narcus, c'est ta faute un peu, on peut le dire. Technical pause encore. Technical pause. Ah bon ? De ton et cas. On est reparti 1-8 okay. Du coup. Est-ce on que Jazz bouge ? On est en écho. Oui, ou oui, il a acheté, il a acheté une arme. Du coup, tout le monde s'est reco, c'est cool. Dégoûté. Bon, là, il faut gagner, là. Dégoûté, voilà, je le dis. Parce que là, je le dis, ce round-là, s'il est perdu, c'est celui d'après aussi qui est perdu, là. Là, il faut gagner. Ouais, non, je sais pas, parce qu'on a une très longue loose streak, là. On peut acheter ah ouais, on est en full le streak, bah, là. Bah, regarde, un bah, on a gagné le deuxième round. On a gagné. Attends, mais on a gagné notre. On a gagné le round qu'on était censé perdre. On a gagné le deuxième round. On a perdu le pistolet, on a gagné celui d'après. Ok, nice. C'est bien. Ça part sur B. On a activé les voilà, voilà, en fait c'était ça la technical pause. Ah là, au moins on a bien cassé leur momentum. Ouais. Parce que là le mec est. Là c'est une nouvelle game. Là c'est une nouvelle game. Ok, nice. Ok, on va garder cette pause. Okay, il va devoir prendre la TP. Ouais. Il a pris très très cher. Ouais, il est obligé de prendre la TP là, sinon il va prendre trop de dégâts. Oh, il va devoir prendre la nade. Oh, ça rush. Allez, faut être solide. Okay. Kina l'ulti. Repéré, non oh là là, on a été vu. Ça c'est pas cool parce qu'ils savent qu'on a rotate dans la window. Non, dans le hookah, je crois qu'on dit. Oui, c'est dangereux. Okay. Okay. Ok, on a l'impression qu'ils ont l'info. Allez. Ok, il y a même ça cette pression. Oh non, dommage. Nice. Ok, okay on kill. Oui, c'est bien. Voilà, Idex, c'est comme ça. Ce qui nous met très bien, c'est qu'ils ont repéré que Idex les 3 fois. Donc ils savent pas que Apu est positionné aussi dans le hookah. Ah, après, ils vont pas arriver à les faire. Ça plante le pingouin. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il a un Pokémon qui plante? C'est quoi ce pal? C'est un pal. Ah, c'est un pal, ok. Il y a un outil qui pourra pas être récupéré, c'est ça notre avantage. Allez. Allez, 4 contre 3, c'est maintenant. Il y a un zombie en face. Ah, nice, c'est dommage, il y a deux mecs low. Ouais, il est en dos et attention, par contre, ouais, il a mis sa petite. Deux mecs low, mais ils sont des. De poison sur le. Allez, on va jouer la longue normalement. On va les faire reculer. Ouais, ils ont tous reculé là du coup. Il faut réussir à diffuse.
C'est dommage qu'on n'utilise pas ce temps pour faire de diffuse. Ok, c'est bien. Revenge. Apo qui commence à diffuse. Aïe aïe aïe. Dommage. C'est dommage. Attends, mais la map elle est 100% attaque, frère. Ouais, c'est oui, map attaque, les gars. Tu plantes et après oui, tu peux être un loot de la map. Parce qu'on plante, après tu protèges la bombe. C'est abusé. Là en défense, c'est. Non, les gars, c'est une map attaque, les gars, c'est rien. Non, c'est une map attaque, c'est une map attaque. Là, Charles, en plus, nous on est plus fort quand on a pas de stuff. Donc là, vous allez voir. Bah non, là, on va avoir un peu de stuff, mais on n'aura pas full shield. Peut-être qu'il t'attendait en vrai pour jouer. Ah, bien sûr. C'est dommage. Oh, Camille, il est toujours mort qu'une fois depuis le début de la partie. Ah, il est trop fort ce mec par contre. Hein. Non, sur cette map, il a beaucoup de chance. 14-1-7. Ouais, 14-1-7. C'est le GOAT. 14-1-7, c'est quelqu'un quand même. 21 KDA. Oh. Même 7 qui est pas rentré dans son match. Quand même 7 va rentrer dans son match, ils ont plus aucune chance. En fait, c'est pas qu'ils rentrent pas tant dans son match, c'est qu'en fait, ils attaquent Perma B. Ouais, lui, en tant que Cypher, il doit retake. Avec Cypher, tu vois, donc c'est un peu l'enfer. Ouais, tu vois, il a déjà fait des runs où 5 kills par. Même quand il bouge après la map, tu vois. Ah, on a changé de. Ah. Ok, on a changé, et comme par hasard, ils ont changé aussi. Putain, ils ont senti envie de layure. Et on est en train de déco en plus. J'étais... Oui, on était on est obligé de. Je pense qu'on va faire un full round après. Tu peux envoyer ta bête dans le TP. Ouais. Ouais, pour faire du bruit. On envoie la bête, c'est peut-être que justement ça va être follow-up après. C'est toujours okay, un petit peu plus agressif. Là, ouais, personne n'a d'infos, tout le monde se jauge. Qu'est-ce qu'ils vont on est qualifié sur Rocket League si les gens qui demandent. Ok, ils balancent tout le stuff. Demain c'est 18h, c'est ça. Les double smoke. L'ulti de Raze is. Oh, attends. Il a pas vu. Oh, dommage. Il a pas vu. Attends, ça c'est. Non. Non, il a entendu. Nice. Oh, okay. Nice Apo. Okay. Oh, il a. Il sait qu'il y a quelqu'un derrière. Ça non. Ah non, c'est idée. Le seul à avoir l'arme. Magic Remy in smoke. Et le bordel. La zone elle est. Ah ouais, la zone elle est minée, c'est quoi ce truc? J'aime bien que ça rentre dans la smoke, ça va triche. Tuer Idex, on va réussir à Riven. Apo qui fait beaucoup de kills. On est en train de recharger. Non, ils ont pas. Un mec dans si, le si, dos, ils ont Mikey avec ses. 3v3, attention. Oui, nice. Oh, Apo, incroyable. On commence à diffuse, on va faire la moitié au moins. Allez, ok, il y a la moitié qui a été faite. Dernier joueur. Non, 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 ça joue en pixel, frère. Ça joue à rien. La chatte. La chatte. La chatte. Je pense que si on perd cette game, c'est de la chatte. Quoi. Non, de toute façon, les gars, c'est une map attaque. J'ai eu. C'est une map attaque. Après, il faudra réussir à attaquer, quoi. Ah, Apo, il fait du bon boulot. Ouais, mais... Apo, ouais, bah, il aurait du 4, quoi. Ouais. Plus ou moins V9 en fait. Le. Parce que là le pixel, est-ce que ça joue vraiment en pixel? Ça joue ouais. Que pixel quand même. Ouais, 0,3. C'est genre, je pense que c'est genre 0,147 secondes, je pense, un truc comme ça. 47 pas ouais. Ah, ça, c'est pas énorme. Comme ça. Allez. Allez, au moins un deuxième round. Au moins un deuxième round. Ok, on a remis en même vrai, 7 vrai, sur un. Deuxième round, ça fait la diff. Hein. Parce que si jamais tu perds celui-ci, t'es en 1-11, tu perds le gun round, t'es dans la merde. Mm. Donc vraiment, ouais, ça fait ouais. La diff. Ici. Il y a aussi que ça fait 2. Pour un pour nous, et si on en perd deux après, ça fait une ref trop drôle, tu vois. J'ai pas la ref. T'as pas la ref. Et j'ai pas le drôle. T'as la ref et pas l'autre côté. Non, j'ai ni l'un ni l'autre. Ah, okay. Ok. Pardon. Moi, je ferme ma gueule. Ok, là, ils ont pris le mid. Au moins, pour une fois, on est positionné dessus. Oh. Par contre, ils attaquent en masse. Oh ouais, ils sont présents. Vraiment en masse. Ah, bah, là, on a l'info. Apo doit être hurlé. Petite traverse, tête. Dommage. Ok, on prend un point. C'est leur wall. Je dois attendre. Il a même 7, bah, c'est bonne chance. C'est vraiment vraiment bonne chance là. Oh, le bordel frère. Oui. Je comprends rien frère. Ah, c'est pas... Mais en bah, fait, c'est... En ah, fait c'est... Les smokes tu peux sont trop couper, lock l'endroit. Tu mets le... Les smokes de brim. Tu c'est... mets les smokes en bits en fait. Genre là t'as le truc. Et après bah tu peux plus rien faire. Plus jouer, quoi. Oh la grue. Ok, même 7 c'est bien infiltré par contre. Oh ça pète là. Allez, pris des dégâts. Il s'est fait flash, il a okay. Un kill. 2, 2. C'est du 3v2. Il reste Camille quand ok, il a raté sa molly, c'est très bien pour nous. Oh, après, il rate pas ses shots, Nice, Kin 1v1. Il sait qu'il est là. Il a plus d'HP. Kin n'a plus d'HP. Ouais, mais il a plus d'HP de l'autre côté. Ah bon, bah, il a lu. Double Q. Là, il gagne trop de temps avec son ult. Ouais, ce qui fait qu'on peut plus diffuse, évidemment. Bon, on c'est chiant. Putain, ça a bien joué quand même du côté de Magic ici là. Il nous a bien baisé. En fait, genre, ils ont une compo post-plant de zinzin et ils nous échappent les maths à chaque fois. En fait, je comprends pas, ils arrivent tout le temps à poser la bombe. Et après, bah, pour la défendre, c'est juste trop simple avec le stuff qu'ils ont. C'est une folie. Ouais, de toute façon, c'est map attaque, les gars.
Les gars, c'est le map attack. Voilà, on a plus là, l'erreur. En fait, il suffit d'une seule chose. Une chose assez simple. Mettre 12 rounds de suite, on gagne la map. Eh oui, eh oui. Bah, c'est mathématique, les gars, en fait. Et c'est encore réalisable. On se fait péter le cul, hein, voilà. Camille, qu'on l'aime pas. On n'a pas fait de pari contre les GL, là. Non, non. Si, si, on a fait un pari, mais j'ai pas de communiqué à Saka encore. Ah, ok. Ah ouais, stylé. Non, non, y a pas de pari. La fois, on a gagné, là, on s'est dit, bon, on flippe pas, tu vois. Bah, du coup, Tommy, il doit être trop heureux, là. Ok, on met la même smoke que eux, ils mettent. Ok, le gun round important là, le gun round est très très important là. Ah bah oui. Moi j'y crois. Là il faut snowball là. Allez. En plus on est vraiment fort dans les gun rounds. Ok, la flash en plus, on dézone le hook. Ça tient. Ah, oh, ça fait avoir de l'autre côté. Ouais. En fait ils sont trop. Je sais pas, ils sont trop en place sur la map genre. Ouais ouais. Genre, c'est leur map hein. Non mais dans le sens où on fait un truc, ils ont direct la réaction à ce qu'on fait, tu vois. Genre là on a push vers le hookah, direct un mec a pris la TP, il a niqué de Kaku. Mikey, il était tellement bien positionné. Ok, nice. Okay. Allez, ça, okay. Ça part de là, ça part de là. 2 contre 3. 7 qui reprend, Idex, on a. Plante. Okay, on a planté. Une Molly en plus, donc Idex a peut-être une line-up sympathique. Oh, même cette qui est tombée. Bon, là c'est Idex. La peinture, c'est lourd. Ouais, non, voilà, allez. Trop dur. Tranquille. Allez, next map. Go next map. Donc il s'y fait. Il peut diffuse. Parce qu'en fait, c'est, ça lui défuse. Enfin, le pal peut défuse. Quoi mais. Ouais, il peut poser la bombe et défuse. Bah oui. C'est broken. Ouais, c'est sympa. J'avoue, c'est à toi qui joue ça. Mais attends, mais si tu le mets et tu mets le mur devant, tu peux diffuse gratos. Mais après, il prend des balles. Si, si, si. C'est broken. Branch joue pas lui. Non, mais en vrai parce que c'est trop broken. Normalement, les équipes se sont mis d'accord pour pas le jouer. Non, c'est pas mal. Voilà. Tu peux le détruire. Hein, ouais, mais tu balances un mur devant. Oui, oui, oui. Balance deux ulti aussi. Bah, le mur, c'est pas un ulti. Bon, ça, c'est pas un ulti. Le mur en général, tu mets avant mur que. Plus truc. Ah, vas-y, je vais réinventer. Je vais réinventer la méta. Tu vas devenir coach Valo là. Je vais devenir coach Valo. J'ai tout compris au jeu. Okay. En une game. Ok. Nice. C'est leur map. Ok. Nice. Ça s'améliore. On va jouer agressif, j'ai l'impression. De toute façon, là, on a fait Jasmo direct. De toute façon, on a force buy instant. Hein. Ah, ils ont coupé très cher. Après, on n'a pas vraiment le choix de force buy là. Oh, oui, oui. C'est... Je veux dire, t'es à 1-12, t'es un peu dos au mur. Enfin, t'es pas un peu, t'es totalement dos au mur, t'as pas le choix. Ouais. T'as plus le droit de perdre de round. Mais oui. Non, mais si on gagne après, on remonte. Non, mais bien sûr que si, on va gagner, on va tout gagner. Allez, 54. Moi j'ai entendu que Camille n'a pas envie qu'on gagne. Oui, c'est pas envie qu'on perde. D'accord, c'est vrai. On fait 3-2. Petite pause, on a plus le clean feed, on revient, il y a 3 bisous. Ça serait marrant. Alors, on remet des smokes pour prendre la position. Alors, là, on enligne l'endroit. Oh, il a pas le choix. Là, c'est let's go. Là, faut accélérer. Hein. Il y a tout le monde par là. Ok, il cherche. Oh, Magic va tomber. C'est du 1 pour 1. Attention là-dessus. Ah, tu peux le tuer ? Oui, si. C'est dommage. Oui, c'est bon. Évidemment. Ah, c'est pas fini, les gars. Allez. On va aller chercher l'overtime, c'est bon. En vrai, ça donne un bonus. Allez, on met des. Oui, c'est important pour la suite de après, la après là, eux, c'était leur bonus. Ouais. Mais non, c'est pas le bonus, on a forcé. Non, non, mais pas. Ils ont buy. Oui, c'est leur achat. Ouais, ils ont leur achat, ils étaient censés gagner, quoi. Allez, allez, c'est maintenant. Allez. Maintenant, c'est simple, plus loin de perdre. On a deux guardiens dans la game map. Ok. Et là, en vrai, on peut les snowball. Hein. Là, c'est le moment. Hein. Parce qu'on a des achats bizarres, en fait. Eux, ils peuvent à tout moment. Bah là, ils vont écho. Oui, ça, ils vont écho. Et après, ils vont avoir un vrai achat et nous, on aura encore un achat. Non, si on gagne, on fait pas de bonus en fait. Oui, mais on a un achat bizarre, tu vois, regarde nos armes, on a non, genre Guardian. C'est toi qui est bizarre, Katar. C'est un achat normal en vrai, Katar. Oui, c'est Katar qui est bizarre. Un achat normal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les armes OP. Bah oui, mais normal, on va pas les acheter. Oui. Mais après, on les achète. Du coup, si eux ils écho. Aïe, 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 ça fait mal ça. Aïe, 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 ça va nous bloquer un petit peu. Le mec d'écho pendant 20 minutes revient, mais des headshots. Ok, même 7. Okay. Même 7 qui tombe Mikey. Okay. C'est bien ça. Ça met bien. On avait besoin de ça. On prend l'info sur la lampe, prend la contrôle. Double smoke, boum boum, on prend tout l'endroit. Allez, ok, c'est bien. C'est viré, on plante ici. Allez, on plante. Ah, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on a pas Apo qui va mettre ses line-up un petit peu conquer. Ouais, mais ça va. C'est le seul désavantage. Ah, c'est vrai que Viper ici c'est fort. Ouais. Voilà, c'est vrai, on peut juste se battre, ils ont pas trop d'armes. Ouais. En fait, le round ça dépend de Jazz qui peut mettre des dingueries avec le Marshall. Ouais, il faut juste pas jouer de. C'est bien, ok. Ils avaient vu les deux Heaven, ça c'est très bien. Ils vont reculer. Ils reculent ici dessus. Après, ils vont pas Ils reculent. Ils reculent en avance. Oh.
Ok. Non. Non, non, dommage. Non, c'est... Ça, ça fait pas mal, comme ça. Ça, le M. Oh là là, ça j'aime pas. Ouh, nice. Pas c'est bien. Nice. Allez, chaud. Oh, okay. Okay. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est 2v2, c'est bien. King Guen, il a son qui défuse. Il a pas de shield, okay, il a pas de shield. Ok, voilà King Guen. Le petit triplé, 3-12. C'est nice. Bon, c'est bon. Tes pouces voulaient pas qu'on gagne, on l'a dit. Ouais, bon. Tes pouces voulaient pas qu'on gagne. 3-12, c'est bon. Tes pouces détestent Solary en fait. Bon, allez, là c'est le rune. Ok. Là c'est le rune, il faut qu'on gagne. Ouais, ouais, ouais. Parce que là on va être à armes égales. Oh, la tête elle est généreuse quand même. Oui. Bizarre. Oh là, par contre, ce coup de pompe. Il a fait mal. C'est le no-scope, hein. Je possède la référence. Je l'ai. Ça spoil tout le monde. Le pingouin, là, il dispose. Il bon, diffuse rapidement ou pas? Force. Normal. Normal. Vitesse. C'est broken. Mais oui. Cherche. C'est totalement une même attaque. Hein. Alors, comment il se débrouille Allez. Non mais dans le sens où je sais pas s'ils se mettent à 2 sur B ou 3 sur B. Ouais, ils sont exactement comme nous le B. Sky, Brimstone, Raze. Je sais pas si tu penses que c'est une méta qui est par rapport à ça pour... Ouais c'est un truc qu'on voit souvent. Ok ok. Les toxines, Brimstone, c'est Sky sur... Hop on avance nous. Non on avance pas, on met du stuff mais on... Donc ça. En fait c'est la smoke de Brim. Ils sont 3 longues. Là c'est Hydex. Aïe aïe aïe. Ouh l'Hydex. Ok ils reculent. Oh là là, tu vois les lignes sur les lignes de partout, ok ça va. Oh, okay, c'est bon, c'est vraiment des timings. Ah, là ils ont, là, ils ont l'info, mais. Il reste 50 secondes, hein. Va falloir qu'on accélère. Bon, ouais. Ça va, 50 ans, ouais. C'est bien à son nul. Ok, ah, pour remettre une smoke. Allez, faut y aller là. Comment on va se débrouiller là? Faut commencer à faire des trucs là. 40 secondes. On s'est réclenché, c'est pas. Ouais, on a re-rotate. Ils sont que deux, hein. Il y en a un qui est hauteur en plus. Allez. Ok, on a dézoné Mikey qui est stuck dans la lampe, ouais. On a mis une petite sévire en plus qui donne l'info. Ok, tire dans le mur. Oula. Oh, les timings sont bons pour nous. Hop, hop, hop. Il faut. Oh la grue. Nice. Nice. Big. Et deux, c'est gros. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. 5 des 4. La flash, ça va des pop après de Heaven. Les 3 sont descendus. Ils sont tous les 3 descendus sur la même, les fous. Il va tomber. Ah ouais, ils ont peur de rien. Okay. Ah, c'est bon, tranquille. C'était le pas là, aïe aïe aïe, même si. Après, on a une line-up de Hydex pour défuse. Oh, oh là, on a plus cher, on a plus cher, Hydex, il faut clutch. 1v4. Oh, okay. Un. Il a. Non. Attends, ouais, il peut pas te. Oh, ouais, il a raté sa line-up. Dommage. Ah, sur la Molly. Dommage. Bah, après, il meurt pas, ils peuvent la tanker, non? Non. Non, non. Celle de. Après, ils avaient le temps, attendre et genre tanker la fin du truc. Tu peux pas la défuser et tank, quoi. Ok, 1-0 pour ça. Après, c'est leur map. C'était leur map. Ouais, c'est leur map. C'était leur map. Après, la dernière fois qu'on a dit ça, donc, la notre map c'était pas fou, mais tranquille. Là, les gars, aujourd'hui c'est un nouveau jour. C'est fine. Ils ont su snowball. La prochaine map c'est ah bon. Ah ouais, là ils ont bien snowball. Hein. Ça joue hein, du côté ah, de GL. Ils sont très très bons. Enfin, c'est comme ouais. Ça se voit. Individuellement, ça clique. Hein. Ça clique assez bien. Ouais, les Polonais nous ont fait mal. Hein. Ouais. Ah, ils sont Polonais ? Il y a deux Polonais, deux Néerlandais, un Français. Pourquoi cette équipe ? Bah. C'est la Ligue française, oh, c'est quoi ce bordel? On va un bout de saucisson là. Oh, c'est quoi ce truc là, oh. C'est la Ligue française, il y a un ça français. Ça dit des choses bizarres. Mais on est où là? Bon, bah, première map compliquée. Hein. Aussi simple que ça. J'ai les mecs, dommage, c'était close. Tommy va te faire foutre. Ah, quel sale. Il est venu dans le chat. Alba, c'est un chien. Il casse les couilles. Non, Tommy, t'inquiète pas, prochaine map, t'es cuit. Eh, c'est notre map, la prochaine, il n'y a pas de ça. Non, non, non. Là, vous étiez bien préparé, vous avez les plans. Bien on a place. Le numéro de l'électricien ou pas là pour ouais, Jazz ouais, le plan ouais Jazz là il... ouais, on va le trouver, plan on va shotgun t'inquiète, pas, hein. T'inquiète, ouais, t'inquiète parce que là faut gagner là ouais, là il faut win en tout cas c'est vrai qu'en face ça joue maintenant il faut réussir nous à se remettre dans le match là sur notre map et derrière Decider c'est sur quelle map Lotus j'aime bien Lotus ouais. Est-ce que tu commences des fois attaque ou défense ou c'est aléatoire? Non, c'est la team qui choisit, c'est celle qui n'a pas le choix de la map en gros. Okay. Là, c'était nous qui choisissions de start en def, par en exemple. Okay. Prochaine map, c'est. C'est eux qui choisissent attaque ou défense. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour la dernière map, c'est quoi aléatoire Bonne question. Non, parce qu'il y a une des deux teams qui choisit la map. Non, en gros, c'est si, la dernière map. Oui, mais tu choisis entre deux, t'as deux choix. Et ah ouais y a une des teams qui choisit les deux. Non, je crois pas. Comme t'as dit la semaine dernière. Ouais, il doit y en avoir un qui commence à ban et l'autre qui choisit en dernier. Oui, c'est ça. Ah ouais, ouais comme sur TM. Il y a un mec qui choisit les siders en haut, t'as deux choix.
Non, je te jure, tu dis nappe. Non, c'est juste. Mute, le premier cabane, à mon avis, le premier cabane, il choisit pas. C'est tout ça, tu vois. Tu sais, cabane, la première map. Oui. Donc, en l'occurrence, ça doit être nous, je suppose, vu que. Ouais. Attends, on ban. Ouais. Non, ils ban, on ban, ils choisissent. Ouais. Ça. Donc, c'est eux qu'on ban en premier, normalement. Ah, donc, c'est du coup, ça voudrait dire qu'on. Uh-huh. C'est peut-être nous qui choisissons le side de la dernière map. Okay. Mais... Ouais, ça moi, ça paraît comme ça que ce soit plus logique. J'ai raison, mais ils parlent au hasard. Mais... Oui, on parle. Je parle pas au hasard, c'est toi qui parles au hasard. Ah, tout le monde parle au hasard, là. Mais non. Viens, on parle tous au hasard. C'est le même système de ban que sur TM, t'épouses. Pour les pics du Decider. Oui, pour la dernière map. Il n'y a pas assez de maps que pour à la fin, il en reste deux, je crois pas. Tu... Si, si. Si, si tape. Mais le Decider, personne n'a choisi la map. Hein. Non, mais il y en a neuf. Et en gros, il reste deux maps, oui. Et il y en a un qui pique. Je crois que c'est random. Je crois que c'est random entre les deux dernières. Non. Mais t'es sûr, apparemment, il y a neuf maps. Jamais il va y avoir un truc random alors qu'il y a toute une phase de ban. Sept maps. S'il y a deux ban, ça fait deux, quatre. Oui. Les deux maps qu'on joue, six, il en reste une. Si ouais, vous me parlez de deux maps. Mais là. Qatar, c'est. Bande de narvalo, là. Qatar, il rend zinzin. En fait. Qatar, genre, il y a là, un gars dans le chat qui doit dire Ouais, t'as raison. Bah, écoute, c'est sa daronne qui est là en mode Oui, Qatar, t'es un génie. Et il est là en mode Ouais, oui, c'est comme Trump. Bah, je vais regarder là. C'est rien du tout. Je vais regarder là. Non, mais c'est bon. Bon, là, on se fait. Au moins, on a évité le 2-12. T'as mis le même pantalon que moi. Mais là, on se fait une petite analyse. Là, qu'est-ce qui nous manque, Diz? Bah là, beaucoup de choses. Ouais. C'est quoi les duels? Non, mais c'était duel à la map. Ah ouais, faudrait gagner des duels. On a eu du mal. À part Apo a fait un 4 kills, Sévir aussi, je crois. Mmh. Ouais. Même 7, on l'a pas beaucoup vu par rapport à. C'est vrai que même 7, normalement, il 1v9, non, même 7. Enfin, mais là, c'est parce que tranquille. C'est, voilà. C'est une fois qu'il soit. C'est pour le spectacle, tu vois. C'est à faire comme RL, on donne un match. On donne l'espoir. Et c'est ça, et après, ouais, les deux c'est pour le content. Ouais, comme ça, la Tommy, il est là, il fait le malin. Ouais, il vient ça. Nous taunt. Et là, et après, on va tous sur son plat. Ok. GG, close game. Et voilà, ok,